elle va préciser une idée que je ne quitte pas préciser. Par orgueil personnel, peut-être, par fierté, pour que je ne puisse pas passer pour autre chose que je ne suis en vérité, ou simplement parce qu'il ne fallait pas que je donne ces précisions. L'argent d'abord, vous-même. Dans la formation à venir des années qui vous attendent à l'université, dans la formation à venir de l'homme tout court que vous devez être, faites tout pour ne plus croire à cette affaire-là. Je dis que c'est l'argent qui crée l'opulence et la satisfaction personnelle. Vous, personnellement, ne croyez pas à ça. Relativisez cette affaire d'argent. Parce que je connais ma propre vie. Pour avoir frôlé l'argent de très près, et cela en dents de scie, le creux de la vague, le creux de la vague, la creux de la vague, le creux de la vague, pour ne m'y être jamais attaché. Je mourrai peut-être un jour avec des balles, c'est sûr, mais je mourrai après avoir aidé mon pays et mon parti, notre peuple tout entier, à faire un grand chemin vers la démocratisation, parce que souvent, ça passe par là, ce fait-là. C'est le désintéressement à l'argent qui peut quelquefois sauver notre peuple. Le premier ministre lui-même, qui dirige ce gouvernement, est un exemple vivant de l'intéressement à l'argent. Lui aussi a fait le creux de la vague, la crête de la vague, frôler le million, les abandonner jusque dans le plus petit jour, là où nous étions. Et il y a des personnages qui retrouvent leur plein épanouissement, leur satisfaction entière, en dédaignant l'argent. Le jour qu'on dit je ne prends pas parce que je continue la lutte, on a une certaine fierté, une certaine satisfaction que Cuba, tu ne peux pas peut-être comprendre maintenant. Moi je le sens, je la sens moi, mais c'est difficile d'expliquer cette situation-là. Il y a des personnages comme ça. Et la plupart des personnes, il y en a plusieurs aussi, qui attachent énormément d'importance à l'argent. Mais la plupart des personnages qui sont autour de Tshisekedi, pour le moment, ont cette capacité de dédaigner un peu l'argent. Mais est-ce que c'est là la réponse que je te donne? Non. Est-ce que c'est pour ça que je te remercie? Non, pas du tout. Je te remercie parce que tu me donnes l'occasion de te dire que c'est toi, c'est vous tous, chacun de vous ici. Lorsque je vous dis que je recherche des amis puissants, je parcours le monde pour chercher des amis puissants, c'est surtout et encore sur ce problème-là. Des amis qui peuvent nous mettre à l'abri du besoin primaire. Ah oui, j'ai la fierté de vous le dire. J'ai la fierté de vous le dire. Je me souviens encore quand nous étions en relégation, quand vint à passer un camion qui nous laisse, par exemple, deux bouteilles de Fanta ou deux bouteilles de bière. Je me souviens que je disais toujours à mon épouse, et vas-y, faisons comme tous les pauvres du monde. Brigons tout et maintenant, sinon on viendra prendre. Mais il faut quand même être à l'abri des besoins primaires. Et ce gouvernement-là doit être à l'abri des besoins primaires. Le parti doit être à l'abri des besoins primaires. Si je parcours le monde, je cherche les amis puissants. Ce n'est pas pour me donner des armes comme le souhaite Jamadari. Non, c'est entre autres aussi. Je ne dédaignerai pas qu'eux soutiennent la lutte actuelle, soutiennent le gouvernement de l'opposition pour soutenir la démocratisation du pays.